Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 7 décembre 2022. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé compassion. Alors, on peut voir sur la carte, le graphique de la carte, c'est un dragon, n'est-ce pas? Et au Japon, le dragon a une signification de bienfaiteur de l'humanité, de sagesse, de protection et de bravoure. Eh bien, avec cette carte, inspirez-vous de sa bonté. Regardez comme ce dragon a l'air bon. Il vous invite à cultiver la compassion. Ce sentiment qui incite à plaindre autrui et à partager ses maux. Alors cela ne veut pas dire que vous devez endosser les problèmes de l'autre, n'est-ce pas, et essayer de les régler. Mais que vous êtes conscient de ces blessures et va ainsi éviter les jugements premiers. La compassion, c'est vraiment avec du recul quand on est compatissant, on ne prend pas sur soi les problèmes des autres parce qu'on est dans la compassion. Si maintenant vous dites « Oh, j'ai mal au cœur pour lui », mais alors là, vous prenez ses problèmes. Tandis que la compassion, vous mettez une barrière avec les émotions. Alors, grâce à cette compassion, vous serez plus enclin à l'écoute. Vous serez plus enclin à la compréhension des gens qui vous entourent. Et cela, eh bien, vous permettra de nouer des liens vrais et forts. La compassion apportera de la joie dans votre vie et celle des personnes autour de vous. Compassion, c'est avec une barrière pour l'émotionnel. Ne l'oubliez pas, on compatit pour ne pas être une éponge, pour ne pas dire « Oh oui, j'ai mal au cœur, je suis triste pour lui ou pour elle. » Parce que là, à ce moment-là, vous prenez ça sur vous. Hein. Petit rituel, lorsque tu rencontres une nouvelle personne, eh bien, souviens-toi que tu ne connais pas son histoire, évidemment, et qu'elle a certainement vécu, eh bien, beaucoup de choses que tu ignores. Chaque soir, avant de te coucher, eh bien, prends quelques minutes pour réfléchir aux rencontres de la journée que tu as fait. As-tu agi avec compassion? Qu'aurais-tu pu faire de mieux? Qu'as-tu appris de ces expériences? Demain, c'est sûr, tu seras encore plus dans l'écoute et l'amour. Très, très beau message, n'est-ce pas? On termine avec l'oracle de l'évolution. Le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place
de se transformer, tu as besoin de faire du tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer et bien sur ton chemin et recevoir la suite. Voilà le petit message de l'oracle de l'évolution. Eh bien, pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Cliquez sur le petit pouce pour faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Et puis, on se retrouve demain, n'est-ce pas, pour un nouveau message. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis pour ma part, moi je vous embrasse tout fort. À demain.